Aujourd'hui, je vous propose de faire une tablette chocolat. Un chocolat avec énormément de noisettes. On se dit toujours, il suffit de fondre du chocolat et puis de le mettre dans les moules. Et c'est parti, on met au frigo. C'est pas tout à fait ça. J'ai mis dans une casserole de l'eau. Je vais faire un bain-marie. J'ai coupé des morceaux de chocolat. Pour ce qui est du chocolat, vous prenez ce que vous voulez. Ici, je suis parti sur du chocolat noir. Vous pouvez aller chez votre chocolatier préféré ou en grande surface. J'ai pris 400 grammes. Vous prenez 300 grammes. On les garde 100 grammes et vous allez voir pourquoi. On va travailler sur ce qu'on appelle la cristallisation du chocolat. En fait, le chocolat, pour qu'il se démoule, pour qu'il soit effectivement dur, pour qu'il soit surtout brillant, eh bien, il faut travailler sur ce qu'on appelle cette cristallisation. Tchac ! Cuisine est simple et pointue.